Waouh, aujourd'hui la chaleur. Oh, c'est insupportable tellement il fait lourd. Vous ne voyez pas, mais je suis torse nu tellement il fait chaud. On va profiter de quelques floraisons. Kanta, à fleurs jaunes. On va aller un peu plus loin. Ah, ici, il y en a une belle. Celui-là, il vient de Manzano, au Nouveau-Mexique. Au passage, on regarde les délospermas. Il y a moins de floraison, hein, c'est la fin, mais c'est toujours joli à voir. Beaucoup de floraison de sedum. Et là, on rentre dans la fournaise. Il fait 40 à l'ombre. Ouais, il est 14h, hein, alors c'est sûr que ça chauffe. Hein. Zopuntia cacanapa, en fleurs. On fait un petit tour sur la collection. Il y a encore quelques mammillaria en floraison. Celui-ci. Et celui-là que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle serre pour les rustiques. Belle floraison en cours. L'autre serre à côté. Tilobivia sylvestri. On continue la tournée du jardin. Ici un Cylindropincia imbricata. Magnifique Cylindropincia. Kretschmer, celui-là. En fleurs aujourd'hui. Zopuntia tardospina. La fleur est jaune le premier jour et orange le deuxième jour. Là, elle commence à se teinter. On va aller voir un peu plus loin aussi. Il y a des fleurs là-bas. Regarde sur la gauche. Zopuntia humifusa. Et là, deux belles fleurs. Il fait vraiment très très chaud là. Vous imaginez pas là contre le mur ce que ça dégage comme chaleur. Les cactus en profitent vraiment. Hein. Et ici, toujours magnifique, cette Zopuntia imbricata. On va aller voir la fleur qui est de l'autre côté. Et j'avais pas vu cette Zopuntia, ce Cylindropuntia spinosior en fleur. On termine là-dessus pour aujourd'hui. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.